Hey, salut les enfants de la toile et bienvenue sur Itch pour ce 22e épisode du Let's Play consacré à Fallout 4. Je suis Warkfey. Alors, tout d'abord, voilà ce que vous avez loupé dans l'épisode précédent. C'est tout. Ok. C'est bon. Nickel. Commande du coffre-fort. Il est branché où le coffre-fort? Là, ok. Alors, et du coup, donc j'ai gagné un point supplémentaire. Donc allons voir ça. Dans les derniers trucs. Dernier truc, j'ai rien de débloqué. À part si Noctalope. Mais ça, je verrai peut-être ça plus tard. Expert en démolition, non. Arme lourde, non. Forgeron, ça pourrait être pas mal. Ça peut être sympa aussi. Mais je pense que ce que je vais faire, c'est augmenter. C'est forgeron. Voilà, comme ça va me déverrouiller des armes supplémentaires. Rien de personnel, hein. C'est juste toi et moi. Merde, je crois que je suis surchargé. Génial. Hop, je vais me terminer les petits bandits là. Vous êtes où les gars? Grosse erreur, Tokar. Ah mais non, je suis con, ils sont à l'étage. Ah. Oh, énorme. Le petit nounours qui lit le bouquin. Lol. Tu sens ça? Je vais vider un chargeur presque entier dessus. Ah non, là, ça passe pas. Là, il y a plein de trucs à récupérer dedans. Ouais, je sais, je porte trop de choses. Mais j'ai envie de terminer les... Ouais, j'ai envie de terminer les bandits avant toute chose. Toujours en vie? Mais c'est pas vrai. Ouais, on m'a appelé Renault. Ah, où est-ce que t'es? Oh, je lui ai arraché le bras. Petite cachette de capsule. À la vue de tout le monde. Ouais, je sais, je porte trop de choses. Et voilà. Alors, coup critique au corps à corps. Ou à main nue, inflige 5% de dégâts supplémentaires. C'est con. Je me bats pas au corps à corps. Puis alors, encore moins à main nue. Ah merde, maître. Dommage.
Ouais, je sais, je porte trop de choses. Ça y est. Bon, tu sais qu'il va falloir que je me retape la descente après. Ça va pas être simple tout ça. Putain, Ganigo, lui, il s'est pas fait chier, il a sauté. Ah. Ganigo a trouvé un ennemi. Merde. On va redescendre. Normalement, j'ai fini la mission. Donc, ce que je vais faire, c'est... Ce que je vais faire, c'est aller à l'entrée du bâtiment, trouver un truc dans quoi... Putain, c'était pareil que j'y venais. Ouais. Trouver quelque chose dans quoi mettre le surplus. Aller à Sanctuary, tout déposer à Sanctuary. Ah putain, toi je t'ai vaporisé. J'adore les armes à énergie. Les armes laser comme ça, ça peut vaporiser l'ennemi sur un coup critique, c'est énorme. D'accord, c'était un piège, il y avait des pièges. Bah, je les avais pas vus. Bon, il va falloir que je trouve un endroit. Bah, tiens, je vais tout mettre dans le corps, au pire. Alors. Tenue, non. Soin, non. D'hiver, non. Bric-à-brac, oui. Ah, non. C'est pas une bonne idée en fait les bric-à-brac. Pourquoi ça déconne? Ouais, parfait. Merde.
Voilà. Hop, j'ai de quoi faire un voyage rapide maintenant. Je sors du bâtiment. Puis dans le pire des cas, ce qu'on a laissé sur la meuf, si on l'oublie, honnêtement, pas très grave. Mais les deux d'acier, fallait vraiment que je les garde sur moi, quoi. Alors, carte Sanctuary. Ah putain, t'es sérieux, je porte trop de choses. Ah ouais, merde. Je croyais que j'étais à 269, non en fait j'étais à 3. Hop. Ok, donc rectification, on retourne à l'intérieur, on remet des trucs, on refourre des trucs dans le cadavre de la meuf. Je pense qu'on va mettre dans vêtements, tenue, voilà. Parce que ça, au final, il me faudrait d'autres équipements pour améliorer. Voilà. Parfait. Maintenant. Oh bah oui, il se déplace beaucoup plus vite maintenant le gars. Donc la carte Sanctuary. Ok, nickel. Hop, tout ce qui est bric-à-brac. Ensuite, Canigou, viens là. Je peux vous prendre quelque chose ? Non, ça va le faire. Transfert de bric-à-brac. Je suis encore trop lourd, mais ça c'est normal. On peut faire quoi comme amélioration sur le... Lame dentelée, lol. Oh, lance-missile. Les armes au corps à corps, honnêtement... On peut faire quoi comme amélioration ? Affûté, barbelé. Perso, je préfère le mode barbelé, il est énorme.
Alors, est-ce qu'il y a des trucs que je peux améliorer? Oui. Ah non, ça requiert scientifique niveau 1. Est-ce qu'il y a mieux? Non. Et ben voilà. Merde, non. Donc ça c'est bon. Émetteur d'ondes gamma, ça c'est pas mal. Canon long et canon automatique. Canon court amélioré. Précision moins bonne, portée moins bonne, poids plus léger. Et par contre ça passe à 25 de dégâts pour le canon long qui est à 23. Ah je sais pas, honnêtement. Quand je vois les dégâts que je fais. Ouais, je vais garder pour l'instant le canon long. Cross complète. Ah, raté. Ouais, ça c'est pour en faire un pistolet, ça c'est pour en faire un fusil. Lunette moyenne. J'ai pas mieux pour l'instant. C'est quoi le dernier stade? Ouais. Oh, lentille à gyrocompensation. D'accord, il y a moins de portée. Mais le truc est plus lourd, mais il a une meilleure valeur. Bah c'est nul. Toi, il me faut forgeron niveau 2 pour mettre électrique. Et aussi pour le module d'étourdissement, ok. Le lance-missile, on verra après. Mitraille. Cuirasse renforcée. Cuirasse haute sensibilité, cuirasse puissante. On va faire la cuirasse puissante. Ouais, canon, on n'a pas mieux. Crosse courte. On a la crosse complète, mais je peux pas encore le faire. Il me manque des niveaux. Ouais, on va faire ça à la pointe. Parce que je préfère pointe que cercle. Ok, donc ça c'est bon. Rokai, toi tu vas avoir plein de trucs à améliorer, je pense. Ouais. Déjà, renforcer. Déjà ça. Canon long léger, canon ouvert. Ah, court à ouverture. Canon long à ouverture. Ouais, ça fait une meilleure précision, c'est sympa. C'est plus sympa et en plus ça pèse moins lourd. Le chargeur, on peut pas. Le viseur, j'ai pas mieux pour l'instant. Ok, donc Rokai, c'est bon. On passe au lance-missile. Canon standard, triple canon, ok. Quadruple canon, ça peut être sympa. Viseur standard, lunettes. Lunettes à vision nocturne, ça serait génial. Ordinateur de visée, carrément.
peux foutre une baïonnette sur un lance-roquette. Sérieusement. Tu vas me dire que je vais aller attaquer au corps à corps avec un lance-roquette. Non. Je voulais mettre le lance-roquette. Voilà. Je vais mettre le lance-roquette dedans. Déjà, cocktail Molotov, grenade. Lance-missile, je veux dire. Fragment, ça dégage. Voilà, le reste, je garde. Puis au niveau des vêtements. Ça, je recycle. Ça, je recycle. Ok, nickel. Donc là, normalement, j'ai encore plein de bric-à-brac à déposer. Non. On quitte. Voilà. Ok, donc on va pouvoir démarrer. Alors, qu'est-ce qui me restait déjà en inventaire? Ah, il me restait des cagoules, des tenues. Ça, c'est des trucs que je vais sûrement devoir vendre. De toute façon, c'est pas très intéressant. Donc, pour l'instant, je vais peut-être aller les stocker. Ça, on va les garder. Divers, bric-à-brac, plus rien, mode. Les modes, je vais aussi les enlever, je pense. Et les munitions, je vais enlever les munitions que j'ai pas besoin. Alors. Transfert. Ah si, tenue. Voilà, ça fera moins de trucs sur moi. Ça en garde. Divers. Perso, je garderai bien. Ok, mode. Munitions. Alors là, ça va être drôle. Armes, j'ai quoi? J'ai des cellules d'énergie. J'ai du calibre 12, du calibre 10 et du 38. Ça dégage du 38, ouais. Ça dégage. Ça dégage. Ça dégage. Ça dégage. Cartouche gamma. Donc là, j'ai 38, 12 et cellules. Oh, j'ai dû louper un truc. Ah, c'est le 10 mm. Merde. Munitions. Ouais, je récupère toutes les 10 mm. Mince. Comment on fait déjà l'étape pour quitter, voilà. Quoi, ce bruit bizarre derrière? Ok. Alors, ensuite, voyons la carte. Ah non, c'est pas la carte, c'est... Ah, l'émission, c'est dans quoi? En radio? Non. Quête.
Ok, donc là, à part la mission que j'ai ici, sinon toutes les autres, elles sont vers le bas. Donc je pense que je vais aller voir eux en premier. Attends, faut que je vérifie. Ah, punaise, encore mauvaise touche. Kaniku, t'es où? Là. Viens là. Viens là. Hé. Hey. Ok, t'as rien dans toi. Ah, mais... T'as rien sur toi, nickel. Du coup, on va faire un petit déplacement rapide. Ah, pourquoi il veut pas? Ah, d'accord. Comment je vais faire? Est-ce que je me déplace là? Je vais me déplacer là et puis je vais faire un peu de marche quoi. Ok. C'est de quel côté qu'il faut que j'aille du coup? Normalement tout droit. Ah bah là il y a un pont. Je tire à côté. Un coffre. Ah non. Pas le monde occupé, il faut être maître. Ouais, je sais, j'ai beaucoup tiré à côté. Mais bon. Je suis où là? Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas d'aimer, de commenter, et puis si jamais t'as envie de voir la suite des vidéos, de t'abonner. Allez, tu peux reprendre une activité normale. Allez-y, cliquez sur j'aime, et vous aurez du gâteau.